Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau The Big Gamowski. On continue d'éplucher les shmups. Et là, on va retourner sur une antiquité, hein, années 90, il me semble, sur un jeu qui s'appelle Gulf War. Alors, Gulf War. Peut-être que le mieux, ça serait de le regarder en fait. Gulf War 2. Alors, je n'ai pas le premier. Je n'ai pas fait le premier. Pas plus que le 2 d'ailleurs. Principe à la Reden. Pas grand-chose de nouveau, même dans ces pays lointains. Puisqu'apparemment, on démonte de l'ennemi à la chaîne sans trop chercher à comprendre. Well, well, well. Rien de spécial apparemment. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est on va mettre des pièces et puis on va aller faire un tour là-dedans. Voir si c'est au moins aussi jouable qu'un Red Dead. Parce que apparemment, ça m'a l'air d'être juste une ressucée à installer dans les bases militaires de préférence pour faire bien. Avec un contexte géographique totalement réaliste. Regardez-moi ça, l'Irak, Damas, tout ça. Oh là 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 là. Vais-je sortir calé en géographie à l'issue de ce shmup? Je ne sais pas. Alors. Ah, pour l'instant, ça bouge bien. Bon, j'essaye de faire abstraction de la purée audio derrière. Parce que je veux même pas savoir si c'est de la musique, en fait. Je préfère rester dans l'ignorance totale. Le petit power-up qui va bien. Alors, toujours ma hantise niveau jouabilité. Est-ce que le machin est prévu pour pas me faire repartir à poil s'il commence à monter dans les tours? Histoire que j'ai une chance de m'en tirer à peu près comme il faut. Qu'est-ce que c'était cette merde? Ouh, c'est pas bon ça. Un bonus qui vous fait tirer derrière, ça veut dire que ça va servir. En général. Les gars s'amusent pas à vous rajouter l'option pour dire tiens regarde comme c'est joli. Le cochon. Alors j'ai l'impression que je perds qu'un seul bonus de tir à chaque fois que je crève. Faudra que je regarde, que je fasse gaffe, mais j'en ai 4. Viens avec moi toi. C'est pas très glamour. Hein. On préférera un Raiden original par rapport à cette imitation quelconque. Alors ça, tu ne le prends pas. Hein. C'est une saloperie. Je ne sais pas pourquoi ça tourne là. À part pour te faire chier. Ou te narguer, va savoir. Est-ce que ça va tourner jusqu'à la fin des temps? C'est probable. Tout à l'heure, j'ai voulu le ramasser, j'ai explosé, donc je ne touche plus rien maintenant. Si ce jeu a été adapté sur borne de salon à l'époque, je pense que les vendeurs de cachets contre la migraine devaient être nombreux à faire de larges bénéfices. J'aimerais quand même bien comprendre cette histoire de boule là, parce que normalement c'est un bonus ça. Bah oui. Alors pourquoi je suis mort tout à l'heure quand j'ai ramassé la première? Ça c'est le truc qui m'échappe total. Je crois que c'est une des grosses qualités du jeu déjà. Alors, monsieur n'est pas pingre, il ne fait même pas partie en arrière, il continue de scroller le temps qu'on valide en disant ouais non mais je veux rejouer à ton jeu de merde. Infirmière, oui, le vaccin anti-JDG comme d'hab. Double dose, je sens que ça monte là, je sens que ça vient. Pff, ça va vraiment être quelconque et finir dans le coffre global dans lequel on met tous les shmups médiocres qui sont pas dignes d'avoir une place dans nos souvenirs parce que.
Regardez-moi ça comme c'est triste. Oh oui, un petit bout de pattern, mais pff, voilà. Pif paf pouf, pif paf pouf. C'est un peu comme si on découvrait qu'il y a du jaune à l'intérieur d'un éleveur. Oh, je sais, c'est super méchant comme truc. Je vais trouver un truc plus soft. C'est un peu comme. Hey, un écureuil! On va arrêter ici le calvaire en fait, parce que ce jeu ne me plaît pas personnellement. Et d'un avis beaucoup plus neutre, avec un peu plus de recul, ce jeu a vraiment une sale gueule quoi. C'est une copie de quelque chose qui existe. Donc pourquoi s'emmerder à utiliser une copie alors que le jeu original est très très bien. 1991, Komad a essayé de copier Raiden. Il a fait un truc pas terrible terrible. Ça devait amuser s'il n'y avait que ça comme borne dans le coin, à 100 km à la ronde. Et je pense que c'était vraiment le seul moyen d'y faire jouer les gens, tant ça donne pas envie. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce stream express. Parce que maintenant, j'accélère quand même les streams quand c'est pas des jeux qui méritent qu'on s'y attarde. Et effectivement, 6 minutes 17, c'est bien assez long pour Gulf War 2. Je vous dis à demain pour un nouveau stream. Je vous embrasse, prenez soin les uns des autres. Ciao!